Oui. Ouais, je l'ai vu. Ouais, t'as raison. Salut à tous, c'est Noxferan. On se retrouve pour un nouvel épisode de One Shot. La dernière fois, on a enfin pu atteindre la librairie. Et on a rencontré Georges, la librairienne en chef, qui va nous aider en traduisant le journal qu'on a depuis presque le début du jeu. Et avec un peu de chance, il devrait y avoir un indice à l'intérieur qui nous permettra de progresser au-delà du début de la tour. Parce que sinon, on sait pas trop quoi faire. Oui, ça allait. Un mauvais rêve, mais bon, ça va. Oh, vraiment? Cool! Ah ouais, ça fait longtemps. Ah, pour moi? Pour moi, tout seul? Ok. Bonjour. Si je peux lire ça, c'est que je peux enfin aller dans la tour. Je suis près de la tour. Une entité est connectée à ce monde. Pour l'instant, on peut y penser comme l'esprit de ce monde. D'accord. Il n'y a pas de forme physique, mais il peut communiquer à travers les ordinateurs et d'autres machines. Ouais, c'est... Attends, c'est pas ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les autres ordinateurs qui nous donnaient des objectifs. Oui, j'ai bien l'impression, oui. Ouais, il m'a contacté. Donc attends, ce qui est en train de me parler là, c'est qui? C'est l'auteur. C'est un livre que l'auteur a écrit, un journal que l'auteur a écrit. Donc l'auteur et l'entité sont deux différentes personnes. Et pourtant, je sais pas, enfin il parle très bizarrement comme l'entité, mais bon. Et de cette manière, l'entité nous a guidés tous les deux jusqu'à la tour, d'accord? L'entrée est à la base de la tour. Tu as besoin du soleil, mais aussi de trois pièces du soleil précédent. What? Nico pourra rien faire malheureusement ici, seulement toi, Noxferan. Regarde l'inscription au sol et fais comme il est dit. La fenêtre aura disparu. Tu auras besoin de la faire réapparaître. Ok. Et c'est tout. Non. Non, mais je crois qu'on a tout ce qu'on a besoin. Moi, je pense savoir ce que. De quoi. Yep, je pense savoir déjà de quoi il parle. Ça, par contre, j'en suis moins sûr. C'est quoi ça, ces trois pièces du soleil précédent? Du phosphore jaune? Ah bon? Oh, mais oui, t'as raison. Vraiment? What? Oh! Ok, that's convenient. Oui, c'est un dé, mais un dé phosphorescent. Ah bah c'est gentil. D'accord, merci. Ah non 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 non. T'inquiète, t'inquiète, je sais. Merci. Ok. Bon, c'était drôlement une sacrée coïncidence qu'elle ait un objet avec du phosphore jaune. Donc le collier, la plume et le dé. D'accord, c'est trois morceaux du soleil en soi. Waouh! Qui l'aurait cru? Est-ce que je peux les combiner entre eux? Non. J'ai encore beaucoup de photos de Nico, mais c'est pas grave. Ok, je crois qu'on a fait le tour ici. On va pouvoir sortir. Et se diriger enfin vers la tour, vous vous rendez compte? On arrive à la fin de notre aventure, j'ai l'impression. Alors j'imagine que ce sera pas aussi simple de monter d'escalader la tour. Oh. Oui. Tu aurais. Oui, je me souviens d'où se trouve le café. Tu as faim? Oui, j'entends ça. T'as très faim. Bah, en même temps, ça fait combien de temps, oui? Ça fait longtemps que t'as pas mangé. Ouais, bien sûr.
Oh, des pancakes, pourquoi pas? J'en prendrais bien moi aussi, tiens. Voyage, on retourne à l'ascenseur, on va aller faire un tour au café. Histoire d'aller chercher un peu de nourriture, parce que mon pauvre Nico est en train de voyager aux quatre coins du monde, mais il a toujours pas mangé, il fait que dormir depuis le début. M'inquiète pour toi, Nico. Allez. On y est. Est-ce que je peux aller au café direct? Boum! Fast travel! Ok, on y est. Salut. Oui, c'est bon. On a tout réparé, etc. On a fait tout un chemin. Et Nico a très faim. Pancakes. Oh, chouette. Oh, vraiment, c'est gentil. Merci, c'est très gentil. Ses yeux s'illuminent déjà à l'idée des pancakes. Ouais. C'est vrai en plus. Yep. Ils sont vraiment spéciaux, c'est ça. Oh. Ouais, ça doit être beau. Oh. T'en fais pas, Nico, on va s'en sortir, ok? Si, je suis sûr que ça va faire quelque chose. Tu la reverras, Nico, t'en fais pas. Je te le promets. D'accord? Exactement. T'en fais pas. Ouais, on a fait tout ce chemin ensemble. On va aller jusqu'au bout, d'accord? Et je te promets que tu pourras rentrer chez toi et revoir ta mère, d'accord? Eh ben, c'est vrai que ça ne m'était même pas venu à l'idée, mais Nico est encore jeune et à mon avis, il est proche de sa mère, donc ça doit lui manquer. Ok, bon, on s'en va à autre chose. Il faut qu'on redescende et qu'on aille se diriger vers la tour. T'inquiète, Nico. Toi et moi, ensemble, on peut faire ce qu'on veut, d'accord? On va sauver le monde et te faire rentrer chez toi, comme ça, tu vois. Une pierre deux coups. C'est parfait. Alors, j'imagine que ça ira le plus rapidement possible, par là. Voilà, par là, je crois. Moi, j'ai besoin de rien d'autre, hein. Non, c'est bon. Ok, on y va alors. On arrive au bout, là. Là, c'est le bout du bout, on est à la tour. Maintenant, c'est juste... Ok. D'après le journal, il faut que... Enfin, moi, je suis censé savoir ce qu'il faut faire. On a les trois morceaux du soleil. On a le soleil en lui-même. Tout ce que je vois là, c'est qu'il faut fermer la fenêtre. Appuyer sur la croix rouge. Ok. Cool. Ça va? Ça marche? Plus qu'à la remettre. Thank you.
Non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Zut. Ok. On va voir un truc. On enlève. Il y a forcément un moyen. Il y a forcément quelque chose qu'on peut faire. N'est pas fini. Peu importe ce que l'entité t'a dit, il y a plus d'histoire encore. Document, mes jeux, one shot. Cherche ce symbole. Lorsqu'il est activé, relance le jeu. Ok. Et un peu si on peut trouver ça. My games, one shot. Et voilà. Readme? Non, c'est rien de d'important ça. Ok. On a donc. Donc ça, on va le laisser sur le côté. Ok. On va voir si on peut faire ça. Ça se referme. Le trèfle est activé. Yes. On est de retour, je crois. Nico. Réveille-toi. Parce que je ne te crois pas. Je compte pas en arrêter là. Exactement. Non, je veux aller jusqu'au bout, c'est tout. Oh, wait. Ça a bougé ça. Oh. Ok. Je vois ce qu'il faut faire. Il y a le signe du trèfle en bas à droite de la feuille. Il suffit de le mettre, de superposer avec l'autre. Et ça nous donne le chemin à prendre. Ok, avant, je t'en ai dit le moins possible sur l'entité. Désolé pour ça. Je ne voulais pas.
mettre le librairien en danger. Ok, le chemin du haut. J'aimerais bien avoir les deux fenêtres actives, mais ça doit pas être possible. Alors, c'est peut-être une habitude de garder au silence les gens qui apprennent sa vraie nature. Oh là là. Oh, that's weird. Malheureusement, je l'ai vu arriver à beaucoup de mes amis. C'est l'auteur qui me parle en ce moment, n'est-ce pas? Tout ça, c'est un truc de l'auteur, je crois. Mais pas d'inquiétude, l'entité ne peut pas te toucher. Faut que je retourne à gauche? Yes. Il ne peut rien faire contre moi non plus. Je suis déjà parti de ce monde, mes propres moyens. Je n'ai jamais voulu que l'entité existe. Mais maintenant qu'il est complètement opérationnel, une chose est devenue claire. Oups. L'entité veut la mort. Sa propre mort, la mort du monde. Un désir sans fin qui se manifeste physiquement. J'ai déjà vu les cicatrices. Maintenant, l'entité fait tout son possible pour stopper ton progrès. Essayez de gagner quelques minutes. Avant que tu n'arrives inévitablement au sommet et que tu places le soleil sur la tour. Ici que toi, Dieu, auras le dernier jugement de ce world, de ce monde. Évidemment, l'entité tentera de te contacter encore. Et quand il le fera, il essaiera de te corrompre et de te convaincre de briser le soleil. Vraiment? Ça détruira le monde instantanément. Alors pourquoi je ferais ça? Merci de me prévenir, mais... quelque chose qui va pas, on dirait. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je suis les petites marques qu'il y a sur le papier, hein, qui nous indiquent là, c'est la porte ici. Pourquoi est-ce que tu es calme d'un seul coup, l'auteur? Non, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui est pas si simple? Le choix à faire? Je suis désolé. Je sais pas quoi faire dans ce genre de situation. Je crois que je dois te dire la vérité. Wow, ok, ça devient bizarre là. Le soleil est le lien du messager dans ce monde. Ok, donc, cette ligne là. Tant que le soleil est intact, le messager reste prisonnier ici. What? Là. Ah, là.
ensuite, plus qu'à tout remplir. Ok. Comme ça. Briser le soleil va détruire le monde, mais... C'est aussi le seul moyen pour le messager de rentrer chez lui. Fuck. Vraiment? Non. Il doit y avoir un autre moyen. Ok, this one... C'est un peu compliqué. Change un peu tout ça. Ok. Comme ça. Yep. Comme ça. Ok, maintenant j'ai juste à suivre. Parce que là. Comme ça. Donc on a un cercle. Ensuite, on a juste à faire celui-là. Et presque. Attends, donc c'est vrai. Ok, c'était compliqué celui-là, mais on a réussi. Je pensais pas que les choses pourraient finir comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Voilà le soleil. Je suis là, t'en fais pas. Oui. Non, t'en fais pas. Je t'ai jamais quitté. Tu l'as même pas touché. Bien sûr. Oh, on est de retour ici. De retour au tout début. Au début, sauf que là, oh. La télé fonctionne, ok. Un évier. Est-ce que j'ai quoi que ce soit? Non, j'ai que le soleil. Rien dans le frigo. Et ici, ad infinitum. Au début du jeu, ça disait ad infinitum. Pas fini, Tom. Ni Tom. 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 Peu importe. La lumière? Bonne question. Ça, c'est éteint. Rien dans le lit. Un petit arbre. Un miroir. Ok, rien de très... rien d'impressionnant. Ok, repassons là-dedans, alors. Cette fois, c'est différent. Wow. Vraiment? Non, tu sais très bien... Ah non, en fait, tu ne sais pas que j'ai de l'aide de l'auteur, n'est-ce pas?
T'essaies de me faire, de me convaincre de briser l'ampoule, mais... Hein? Oh, vraiment. Ouais. Alors, c'est vrai? Y a pas de moyen de sauver les deux? C'est... Parce que c'est la bonne chose à faire, non? J'ai une petite idée de ce qu'est ce monde. Oui, mais... Ouais. Non, c'est vrai, Nico. Parti d'un autre monde. Contre ton programme, ta programmation. Est-ce que tu es toi juste un robot? Est-ce que tu n'es pas tamed non plus? Plus ça va, plus je suis confus et je ne sais plus quoi penser. Ah. Si je brise l'ampoule, Nico se réveillera chez lui, comme si c'était qu'un rêve. Si on remet le soleil à sa place, il sera obligé de rester ici pour toujours. N'y a pas de bon choix. Il n'y a aucun bon choix. Lui dire la vérité? Ah, évidemment. C'est juste... Non, je peux pas le laisser dans l'ignorance. Il faut que je lui dise. Faut que je lui dise. Je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser faire ça et. Et qu'il se rende compte trop tard que. Qu'il puisse pas rentrer. Il le faut. Faut que je te dise quelque chose, Nico. On peut pas sauver les deux. Le monde est toi. Pour que tu rentres chez toi, il faut qu'on brise le soleil. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je suis désolé, Nico. On est au sommet alors.
Ça y est, c'est le... C'est le moment. Yup. C'est ici qu'il se met. Ouais. Comment je suis censé choisir un truc pareil? Y'a aucun bon choix. Parce que... Nico fait pas partie de ce monde. Il a jamais rien demandé. Il s'est fait embarquer dans cette aventure. Sans qu'on lui demande rien. Mais en même temps, il y a ce monde qui est en train de mourir. Avec tous ces gens qui vivent ici. Les frères et sœurs, le docteur Silver, tous les scientifiques qui essaient de trouver des solutions. Ils méritent tous de vivre, à mon avis. Mais en même temps, il y en a certains qui disaient que le soleil résoudrait pas tous les problèmes. Que le monde était déjà en déclin avant même que le soleil ne se brise, ne disparaisse. Mais encore une fois, ça peut être que leur opinion. C'est peut-être qu'ils sont juste pessimistes et déprimés que depuis que le soleil n'est plus là. Peut-être qu'il y a une chance que le monde survive. Mais en même temps, ça veut dire que Nico, il reste là. Et qu'est-ce qu'il devient, Nico? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus pouvoir rentrer chez lui? La vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver une personne dont on sait qu'il est d'un autre monde, il n'est pas d'ici. Il vivra dans un monde qui n'est pas en danger ni rien. Ou est-ce qu'on sauve le monde? En espérant que les choses aillent mieux, sans vraiment le savoir au bout du compte. Je sais pas. Comment tu veux faire un choix pareil? J'ai besoin de réfléchir. Je lui ai fait la promesse, je lui ai promis. Je lui ai promis qu'il rentrait chez lui. Vas-y, Nico.
Comme ça. Oui. Aussi, Nico. Rentre chez toi. Le monde s'éteint. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Non. Est-ce que j'aurais fait le bon choix si j'avais choisi le monde? Non plus. Il n'y avait pas de bon choix. Et c'est ça. Au moins, j'ai sauvé Nico. Et il s'éteint. Voilà. Si on essaie de l'ouvrir maintenant, il y a une erreur et c'est fini. Mesdames et messieurs, c'est la fin de One Shot. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été une sacrée aventure. Et je lui avais fait la promesse, il fallait que je la tienne. Je pouvais pas, il est jeune. Fuck. Enfin, j'espère que ce let's play vous aura plu. Alors, merci à tous d'avoir regardé ce let's play, cette vidéo. Et à plus pour de prochaines aventures. Salut.